Nouvelle victoire aujourd'hui dans cette journée des ministères avec Christelle Courtal qui a remporté le prix du ministère de l'Agriculture à 37,5% avec le magnifique Vertigo Pompadour. Il n'y a pas de doute, cette fois, c'est la dernière de la saison pour cette génération-là. Il a remporté la plus belle. C'est il l'avait déjà prouvé avant, c'est pour lui le meilleur de sa génération. C'est ça. Et quelle démonstration encore. C'est ça, oui. Il était vraiment au-dessus du lot. C'est tout petit cheval, il est fantastique parce que c'est vraiment un petit cheval. Et alors, je suis vraiment très, très contente déjà pour M. Carly avec nous. Avec qui j'ai à moitié Vertigo, et surtout pour les haras nationaux, parce qu'ils n'ont jamais gagné le ministère. Ouais, c'est historique. Donc, c'est quand même. C'est top. Et attendez, parce que j'ai gagné, mais je suis aussi seconde avec Siyusun. Faut pas l'oublier. Non, je voulais y venir justement. C'est ça qui est super, c'est que c'est encore. Je crois que là, déjà l'autre fois, vous avez eu plusieurs de vos pensionnaires. Les quatre. 1, 2, 3, 4. Voilà, dans le critérium à 37,5%. J'en ai deux, les deux, 1, 2. Oh, c'est donc c'est fantastique, c'est merveilleux pour les propriétaires, puis surtout les gens qui me font confiance et qui me laissent faire comme je veux. Parce que c'est ça aussi. Oublier toute l'équipe derrière, c'est ça. Tout le boulot du matin. C'est ça, vraiment. J'ai une super équipe. Tout le monde s'entend bien, on travaille sur la même longueur d'onde et surtout dans le respect du cheval. Et puis ça fonctionne, moi, comme je dis, si vous leur donnez, ils vont vous le rendre. Voilà. Et vous voyez, ça prouve encore que ma théorie n'est pas mauvaise. C'est sacrément chouette, c'est vraiment une victoire intense. En plus, c'était un tout petit cheval l'année dernière, avec un super papier, mais on se demande toujours sur des petits modèles comme ça, est-ce qu'ils arriveront à lutter avec les autres. On est très fiers pour notre travail, on est très fiers pour l'élevage qui est présent depuis plus d'une centaine d'années. Donc, c'est vraiment une fierté pour l'IFC.